Bonjour chers spectateurs, nous sommes de nouveau sur le chantier du BTUI Sauvelmash. Je comprends bien que vous en avez déjà marre de cette saleté, mais nous allons commencer par là. Derrière mon dos, des travaux de déchargement des gravats et de sable sont en cours. Auparavant, dans cette zone, il y avait une très grande fosse dans laquelle les ouvriers ont posé le géotextile. Puis ils ont effectué le remblayage avec du sable. Et maintenant, ils déchargent des gravats et préparent la base afin de poser de l'asphalte du côté de la façade du bâtiment. Par conséquent, les travaux d'aménagement du terrain sont en cours. Et là où il y avait des fosses et des buttes, le terrain semble de plus en plus aménagé. Faisons un demi-tour. Regardez à quoi cela ressemble sur le côté gauche du bâtiment. Tout est préparé pour commencer des travaux à grande échelle pour la pose de l'asphalte. La seule chose que nous avons à faire, c'est d'installer des bordures en pierre. Et puis, nous pourrons déjà poser cet asphalte. Après l'installation des bordures en pierre, nous devrons effectuer des travaux de terrassement pour poser des câbles pour l'éclairage, la télémétrie et la vidéosurveillance. Je voudrais ajouter que nous avons déjà mis en service le système de vidéosurveillance du bâtiment. Une partie de ce système fonctionne déjà et l'enregistrement est effectué sur un serveur. Passons maintenant à l'arrière, où se trouve le quai de chargement et déchargement, pour voir ce qui se passe là-bas. Je voudrais noter que là, les travaux sont déjà terminés. Une route de gravats a été installée et un passage vers la plateforme arrière a été installé. Ici, vous pouvez voir nos transformateurs. Beaucoup de câbles ont déjà été posés et la mise à la terre a été effectuée, ce que vous pouvez d'ailleurs voir à gauche. Ici, vous voyez un tube pour l'installation du support d'éclairage, ainsi que des accouplements pour la pose du câblage. Il y a beaucoup de choses ici. Là, nous avons une pièce où nous allons installer un dispositif de distribution à haute tension. À présent, des travaux intensifs sont en cours dans cette salle. Des armoires spéciales sont mises en place et des chemins de câbles sont installés. Des câbles à haute tension ont déjà été posés sous la terre de ce côté-là. Le fait que nous les ayons posés nous a permis de faire le passage, mais aussi d'assurer le front des travaux pour la pose de l'asphalte. Les travaux se poursuivent sur le site du BTUI. Nous allons les voir de plus près.
Regardez ce qui se passe ici. Un travail intensif est en cours pour le déchargement du matériel de construction. Maintenant, 3 camions sont déchargés en même temps et tout le matériel est transféré dans le bâtiment. À gauche, les ouvriers réinstallent les bordures en pierre car il y a eu des remarques de notre part. Là, nous avons une sous-station de transformateurs à haute tension. Nous y avons déjà raccordé par une courbe de câble. Et à présent, nous préparons les documents pour obtenir le permis de connexion. Le volume de travaux à effectuer n'est plus aussi grand qu'auparavant. À présent, une énorme quantité de travail a déjà été réalisée. Et l'essentiel est de garder le même rythme tensif. Nous devons travailler au même rythme, ou même plus intensément. Voilà, nous marchons sur la première couche d'asphalte. À présent, je vais vous montrer un autre endroit intéressant. On me demande, pourquoi ne continuez-vous pas ces travaux? Nous les ferons après l'installation des bordures en pierre. Mais la chose la plus intéressante est que nous avons pris des échantillons d'asphalte. Vous voyez ces morceaux enlevés. Ces cubes d'asphalte ont été envoyés au laboratoire pour vérifier la qualité du revêtement. Ici, vous voyez que nous avons démantelé la clôture, c'est-à-dire que la clôture provisoire a été complètement retirée. La clôture de la ZES Technopolis Moscou se trouve plus loin, mais notre clôture finale sera installée encore plus loin que celle-là. Notre clôture doit être faite de polycarbonate et doit être transparente afin de ne pas ombrager les sites de nos voisins. En même temps, elle doit remplir les fonctions d'absorption du bruit. Par conséquent, nous avons du travail à faire de ce côté-là. Une autre chose que je voudrais vous montrer, ce sont les câbles qui ont été posés là-bas pour pouvoir connecter l'éclairage autour du périmètre du terrain. Ces travaux devront également être effectués. En outre, vous pouvez voir un grand tuyau ainsi que des couvertures blanches en galvanisation nécessaires à l'installation des supports d'éclairage. Dans ce tuyau noir, nous allons installer le système d'alimentation en eau. Par conséquent, le tube de protection sera posé là-bas. Ici, vous pouvez voir des câbles. Et à l'intérieur du bâtiment, il y a également beaucoup de câbles. C'est ce câble-là qui a été livré pour connecter des appareils de consommation puissant. En ce moment, nous passons les commandes pour l'installation de grilles et de la clôture finale qui seront aménagées de ce côté-là. Car lorsque la pose de l'asphalte sera terminée, il sera nécessaire de terminer les travaux de ce côté du bâtiment. Mais il est préférable de le faire lorsque l'asphalte sera posé. Car dans ce cas, il sera plus pratique de travailler avec des grues. Pour finir avec les zones extérieures, passons à la façade du BTOI et voyons ce qui se passe là-bas. Vous voyez que les bases en béton de la clôture et des restes de matériel sont enlevés du terrain. Chaque jour, nous tenons une réunion consacrée à ces questions et par conséquent, le site devient de plus en plus propre. Voici les restes du chemin provisoire qui était ici. Voici les dalles. Maintenant, nous enlevons tous les déchets de construction.
Là, vous voyez le câble d'alimentation électrique provisoire. Nous venons de discuter de la question de son démantèlement. Il faudrait également enlever toutes les tentes, les escaliers provisoires, etc. Le nettoyage du site est en cours. Prenez garde en passant par là. Nous allons maintenant arriver à l'un des endroits où la veille, les travaux de pose des tubes pour les câbles à fibre optique ont été effectués. Tout ce système sera ensuite raccordé au point de répartition situé à l'intérieur du BTUI. Nous devons partir d'ici parce qu'on bloque le bulldozer. Il y a 2 jours, des fosses profondes ont été creusées ici. Et à ce jour, des puits de télécommunications ont déjà été installés dans ces fosses. À noter que tous les câbles passent de ces puits vers la salle de contrôle. D'autres câbles passent de ce puits au puits suivant et plus loin vers cette porte d'entrée, car c'est là qu'un point de contrôle sera également aménagé. Devant la façade du bâtiment, une autre fosse a été creusée, le géotextile y a été posé et le remblayage avec du sable est en cours avec un compactage couche par couche. Vous pouvez voir que les roues des voitures sont lavées dans la station de lavage. Ici, vous pouvez voir les câbles qui iront à l'entrée, directement au point de contrôle. Ici se trouve le tube à travers lequel les lignes de communication passent. Vous pouvez voir qu'il y a encore beaucoup de puits qui doivent être installés. Beaucoup de clôtures sont également entreposées. Là, vous voyez que nous avons une sorte d'entrepôt où se trouve une partie des puits, des couvercles pour ceux-ci, un tuyau pour le raccordement, ainsi qu'un tuyau pour le système d'égout pluviaux. Si vous regardez le panorama du terrain de ce côté-là, vous pouvez constater que tout semble déjà beaucoup plus aménagé ici et bientôt l'image changera encore. Je tiens à avouer que nous avons des remarques qui nous sont faites sur le traitement contre les incendies. Mais là, il s'agit d'un problème de garantie. Nous allons donc travailler pour résoudre ce problème. Essayons de passer de ce côté. Que se passe-t-il ici? Nous allons quitter le site du BTUI. Ici, récemment, il y avait des fosses. Vous voyez que tout a déjà été recouvert de terre. Il reste un peu à nettoyer. La pluie nous a un peu empêchés, mais bientôt, nous allons terminer les travaux dans cette zone-là. Cependant, nous n'y poserons pas encore de l'asphalte parce que nous avons besoin de creuser de nouveau la terre afin de raccorder notre tuyau à la ligne principale. De ce côté-là,
on voit que tous les travaux préparatoires pour effectuer le remblayage ont été effectués. Toute cette zone peut être remblayée et ensuite nettoyée. Cela signifie que dans un ou deux jours, cette zone aura l'air plus décent. Maintenant, allons plus loin. À cet endroit, une fosse de grande profondeur d'environ 6,5 mètres sera creusée pour effectuer un raccordement au système central. Par conséquent, nous constatons que les systèmes d'eau usée ont déjà été connectés et l'installation du système de chauffage est également dans sa phase finale. Il ne reste plus qu'à imperméabiliser le reste des coffres de tuyaux et à effectuer le remblayage de ces coffres avec du sable. En fait, il s'agit d'une petite quantité de travail, mais nous ne prétendrons pas encore avoir complètement terminé ces travaux. Voilà, les travaux avec les égouts et l'approvisionnement en chaleur sont en cours, et ensuite nous allons travailler sur la connexion du système d'égouts pluviaux. Nous devons faire face à ce problème, car quand il pleut, le chantier est à chaque fois inondé. De ce côté, nous voyons du sable pour le remblayage, et à côté se trouvent des tuyaux pour renforcer la fosse lors du raccordement du système. Ces 8 puits noirs en plastique seront installés sur le terrain, mais pas sous l'asphalte. Ils seront principalement installés sous la pelouse, car c'est pour l'éclairage et d'autres choses encore. Là, nous avons des réserves de câbles. Vous allez effectuer le remblayage ce soir ou pas? Ah, parfait! Ce jour-là, les ouvriers vont commencer à remblayer cette zone avec du sable. Et ce sera beau ici. Allons plus loin. Nous avons terminé l'installation de toutes les communications sur le côté gauche du bâtiment et nous allons maintenant voir ce qui se passe sur le côté droit du BTUI. Ici, vous pouvez déjà passer plus facilement. Le matériau d'étanchéité est visible. Les débris seront enlevés et les dalles en béton seront également démantelées. Ici, vous pouvez voir les travaux de remblayage, ou plutôt de la mise à la terre qui sont en cours. Le point de commande général de construction se trouve également ici. Prêtez attention que maintenant nous pouvons passer par là. À noter qu'auparavant, cela était très problématique. Nous allons le long du circuit de chaleur. C'est la chambre de connexion de l'eau dans le bâtiment. Vous pouvez voir une bouche d'incendie qui sort du puits. Et dans la chambre, toutes les connexions et les raccordements ont déjà été effectués. À présent, nous allons le long de la ligne principale de chauffage. Nous avons récemment discuté avec Alexandre Soudarev que nous avions creusé la terre pendant près d'un an. Regardez combien il reste à creuser et à enterrer. Ici, une route temporaire a été placée. Et vous pouvez estimer combien il est nécessaire de remblayer avec de la terre. Sur le côté gauche des puits, on voit même les systèmes de viabilisation. Tout cela doit être remblayé. Par conséquent, vous pouvez constater l'ampleur des travaux à effectuer. Pour que nous puissions travailler dans cette zone-là, nous devons installer des réseaux de viabilisation transversaux dans les coffres allant de la plateforme sur laquelle l'équipement de climatisation est installé
jusqu'aux locaux où nous allons installer des compresseurs qui fourniront un microclimat à l'intérieur du bâtiment. Par conséquent, chers collègues, vous pouvez voir une énorme quantité de travail. Partout, nous avons déjà creusé la terre. Partout, il y a déjà des lignes de communication posées. Ici, les ouvriers viennent d'effectuer la mise à la terre. Et juste à côté, ils ont déjà installé un coffre pour des tuyaux. Il y a vraiment beaucoup de tuyaux, mais aussi d'autres équipements et tout a été posé à proximité. Tout le territoire est densément encombré de réseaux de viabilisation. En termes de volume, d'échelle, de tension, ces travaux méritent d'en parler, car la Terre contient toujours toutes sortes de surprises. Nous avons été confrontés à des inondations, à des effondrements et à des gelées. Il y avait plein de problèmes, car nous creusons la terre depuis un an. En termes de superficie, cette zone n'est pas inférieure à la superficie du bâtiment lui-même. Vous pouvez donc imaginer. Par conséquent, quand les gens disent « Allez aménager le terrain au plus vite », je réponds que je serais heureux de le faire. En passant, hier, lors du webinaire, il y avait une question bien intéressante sur le fait que dans d'autres projets, les fondateurs et leurs familles investissent dans leurs propres projets. Mais est-ce que les membres des familles des participants de notre projet investissent également dans le projet ou pas? C'est ça la question, Alexandre? Oui, exactement. J'ai donc pensé à ce que j'ai investi dans le projet en plus de mon propre travail. Si on réfléchit un peu, auparavant, la direction de la construction capitale a travaillé sur ce chantier. À noter que tout le monde aime être appelé directeur, sauf moi, qui ne suis pas le directeur. Il y avait 3 directeurs là-bas, maintenant il n'y a plus personne. Ces fonctions sont exercées par le chef de projet. Mais qui est le chef de projet dans notre cas? C'est moi, Dmitri Duyunov. C'est moi qui remplis ces fonctions. Cela signifie que les fonds mensuels pour la rémunération de ce travail, ainsi que les taxes, ne sont pas dépensés pour ce poste, mais vont directement au projet. Est-ce un investissement ou pas? Eh bien, conditionnellement, parce que c'est une réduction des coûts, mais le fait que les employés du département de la planification et de l'économie se battent pour chaque centime et corrigent toutes les erreurs de calcul, est-ce un investissement ou pas? Ou lorsque nos collègues installent l'équipement de leurs propres mains, réduisant d'un certain nombre de millions les coûts d'installation du secteur chauffage individuel, est-ce un investissement ou pas? Bien sûr que oui. Lorsque nous sélectionnons l'équipement, cherchons les prix optimaux et les options pour son achat, par exemple pour les unités de compteur d'eau et le pont thermique ou pour les réseaux de viabilisation antérieure, c'est aussi un investissement. Par conséquent, nous investissons discrètement, simplement en effectuant notre travail de très haute qualité, en réduisant les coûts du projet. C'est aussi une sorte d'investissement, alors pensez-y. C'est ce que font tous les employés de Sovelmash. C'est aussi la façon dont nous développons les échantillons d'équipement. C'est aussi un investissement. Allons-y. Nous avons examiné les réseaux de viabilisation extérieure. Nous avons discuté des questions d'aménagement du terrain. Et maintenant, nous devrons voir ce que nous faisons à l'intérieur du bâtiment. Là aussi, nous avons beaucoup de travaux qui sont en cours. On va sortir de ce secteur. Nous passons par les endroits où les véhicules de construction travaillent.
Ici, les ouvriers enlèvent les restes de métal. Nous allons sur le territoire extérieur pour ne pas passer entre les excavatrices. Cependant, vous voyez que sur le site, il y a maintenant beaucoup plus d'engins de construction. J'espère que dans quelques jours, il y en aura encore plus ici. Cela grâce au fait que nous avons des fonds pour accélérer les travaux. Il s'agit des fonds qui ont été levés grâce aux promotions en cours. Cela a permis d'accélérer l'exécution des travaux. Vous pouvez voir que la clôture a été peinte en bas au niveau de la base en béton, car nous attendons des invités. On ne dit pas encore qui ce sera, mais les voitures lavent déjà les chemins, donc on met aussi un peu d'ordre. Cette fois, la pluie nous a aidés un peu. Elle a lavé la poussière de l'asphalte, ce que nous ne pouvions pas balayer. Vous avez déjà vu la chape d'égalisation qui a été effectuée dans le bâtiment. Rien de nouveau et spectaculaire à vous montrer là-bas. Au rez-de-chaussée, la chape a déjà été réalisée. Vous avez déjà vu le déchargement du carrelage. Nous avons reçu 1000 mètres carrés de grès céram. Et en plus, nous avons reçu le carrelage pour le sol du rez-de-chaussée. Maintenant, nous allons passer à côté de l'excavatrice qui transporte les bidons et des véhicules qui viennent d'être déchargés. Maintenant, nous allons passer ici avec beaucoup de prudence. Vous pouvez voir des chevilles en bois qui font le démarquage. Voilà, chers spectateurs, nous sommes maintenant au rez-de-chaussée du bâtiment administratif et technique. Allons voir les travaux qui sont en cours dans cette partie-là. Ici, les ouvriers sont occupés de la finition des locaux. À noter qu'avant tout, nous devons effectuer les travaux de finition dans cette pièce-là. C'est notamment la salle de contrôle. Tous ces câbles pendant du plafond pour le moment sont nécessaires pour que toutes les informations sur l'équipement dont le fonctionnement est en cours arrivent ici, y compris la vidéosurveillance et les données du nœud thermique. Il y a au total plus de 6000 capteurs dont les informations viendront ici, dans cette salle. Le carrelage a déjà été posé et recouvert pour ne pas être endommagé par d'autres travaux. Cependant, pour que les travaux soient terminés ici, y compris l'installation de l'éclairage, il est nécessaire de terminer toute la finition, après quoi nous pourrons procéder à l'installation et la connexion de l'équipement. Voilà les travaux qui sont en cours ici. Passons de ce côté où on peut voir tous les supports du câble. Le sol peut déjà être ouvert. Ici, on voit que les murs ont déjà été rebouchés. Vous venez ici et vous voyez que les locaux deviennent de plus en plus clairs. À noter que chaque jour, de plus en plus de travaux de finition se terminent.
le bâtiment devient progressivement plus élégant. Si vous regardez en haut, vous verrez des trous qui sont forés pour pouvoir y installer la ventilation et les tuyaux d'extinction d'incendie, système splintaire. Nous allons vous le montrer. On sort par ce couloir sombre. Montrez-nous, s'il vous plaît, les tuyaux situés au plafond. Voilà. C'est notre système d'extinction automatique. Ce sont des réseaux de viabilisation. À noter qu'en ce moment, les travaux sont très actifs dans cette direction. Il y avait une certaine stagnation, et cela pour des raisons objectives. Mais nous avons réussi à résoudre tous les problèmes à temps. Par conséquent, je ne veux blâmer personne. Je devrais plutôt me blâmer moi-même, car je dois mieux contrôler tous les processus. Ces locaux sont maintenant fermés. Les ouvriers y ont déjà effectué beaucoup de travaux. C'est une station d'extinction automatique dont l'installation est en cours. La fixation des canalisations se poursuit également. La veille, les ouvriers ont travaillé jusque tard dans la nuit. Un poste de jaugeage a déjà été acheté et livré sur le chantier, tout comme le poste de jaugeage central, dont l'équipement a également été acheté et livré, bien que cette question ait été négligée à un moment donné. Je vais vous montrer une machine. Nous l'avons reçue la veille, branchée et essayée. Quel est son fonctionnement? Alors, le matériel isolant en rouleau est coupé en bandes d'une largeur souhaitée afin de fabriquer l'isolation à rainures et ensuite l'installer dans les stators. Les stators sont là. Vous voyez cette isolation des rainures qui a déjà été installée dans les stators. Je vais vous montrer comment ça se passe. Au fait, cet équipement-là est une machine de revêtement qui nous a causé beaucoup de problèmes car son contrôleur est soudainement tombé en panne. Nous avons essayé de régler cette question avec nos partenaires chinois pendant longtemps. Nous avons finalement reçu une nouvelle machine, mais elle avait un logiciel différent. Nous avons dû le changer et le mettre à jour, et maintenant nous pouvons continuer à travailler sur la mise en place de la ligne de production. Voilà une machine à bobiner, et voici une machine à rainurer. C'est pour cette machine à rainurer qu'une bande d'une largeur spécifique est coupée, afin de faire un boîtier à rainures qui sera installé dans un stator. C'est-à-dire, cette machine fabrique des boîtiers de ce type-là en traitant, coupant et courbant la bande d'une largeur nécessaire. En ce qui concerne cette bande-ci, elle est utilisée pour fermer la rainure pour que le bobinage n'en sorte pas après y avoir été installé. Par conséquent, à présent, la mise au point de ce secteur est en cours. Voilà donc les travaux qui sont en cours. Surtout, observez bien la taille de cette machine à rainurer. Et maintenant, regardez la taille de notre machine à rainurer. C'est pour la meuleuse d'angle. Et celle-là est pour ce moteur. Vous voyez la différence? Cette machine-là est la nôtre. Les gens disent, pourquoi développer si vous pouvez bien acheter ces outils? Mais nous pouvons tout produire nous-mêmes. À noter que sinon, il faudrait avoir de très grands locaux pour pouvoir placer des machines aussi encombrantes. Cependant, l'utilisation d'une grande salle ainsi que l'entretien de l'équipement sont autant de frais inutiles. Là voilà ma réponse.
Quand on veut savoir ce que font les concepteurs et les fabricants, je réponds qu'ils sont notamment engagés dans la création de cet équipement d'ingénierie. Voilà une autre machine. Comparons-la avec les précédentes. Celle-là semble être la plus longue parmi celles que nous venons de voir. Mais bon. Allons-y. Je tiens à vous dire une fois de plus qu'en plus des travaux de construction sur le chantier, nos employés ont été engagés dans le développement et la fabrication d'équipements. Montrons cette zone-là à ceux qui ne l'ont pas encore vue. Voici la pièce dans laquelle nous avons installé un tableau électrique. À noter que nous avons deux pièces pareilles. L'alimentation électrique de tous les secteurs sera assurée par ces appareils. La charge de chaque secteur sera surveillée et les résultats seront transmis à la salle de contrôle. Et là, nous avons un point de serveur. Il y a des armoires avec beaucoup de serveurs et de câbles. Nous en avons vraiment beaucoup. Ils ont été aménagés à différents étages. C'est le point de connexion de toute la télémétrie, de l'Internet et de la surveillance vidéo. Allons-y. Vous pouvez voir que tous les câbles ont été posés. À noter que nous avons eu une petite réunion ce matin sur la question de savoir où fournir l'électricité en premier lieu. Car nous devons poursuivre des travaux de béton. À présent, nous arrivons à une pièce bien intéressante. Vous avez déjà vu ces locaux, c'est le secteur chauffage individuel. Que se passe-t-il ici? Les ouvriers font tout leur possible pour résoudre les tâches données. Regardez par ici. La ligne de chauffage que vous avez pu voir à l'extérieur est déjà raccordée ici. Les ouvriers sont en train de souder les tuyaux. Là, il y aura une vanne pour éteindre ce système. Et voilà un isolateur afin que vous puissiez refermer ce système le long du circuit. Ici, vous voyez des vannes à bois sphérique. Autrement dit, un travail de fixation du secteur chauffage individuel est en cours. L'équipe travaille professionnellement, rapidement et efficacement. Vous pouvez imaginer combien de force physique il est nécessaire pour soulever ces tuyaux à une certaine hauteur et puis les souder là-bas. Lorsque l'installation sera terminée, tout cela devra être peint et isolé. Et avant cela, nous devrons effectuer des tests hydrauliques. Par conséquent, nous avons beaucoup de travail. Mais même si nous aménageons le pont thermique, cela ne nous garantit pas la fourniture de la chaleur en elle-même, car il est nécessaire que le schéma de conception soit effectué pour fournir l'électricité, l'eau, les égouts, etc. Puis nous aurons besoin d'effectuer un grand nombre de travaux de documentation. À présent, nous pouvons aller voir dans cette pièce où les ouvriers peuvent prendre une petite pause pour le moment. Mais à la fin des travaux, dans ces locaux-là, nous allons installer le point de traitement de l'eau dont l'équipement a déjà été livré sur le chantier. Donc, vous pouvez juger de ce qui se passe sur le site et chaque jour, tout change ici. Si vous regardez dans cette pièce, vous allez voir du matériel entreposé. C'est principalement pour effectuer les travaux de finition et un peu pour la réparation des zones endommagées. Ici, nous avons de l'entreposage avec du matériel et là aussi.
À noter que le jour où nous tournons cette vidéo, nous avons reçu 1000 mètres carrés de carrelage. Nous vous avons déjà montré les escaliers qui ont été finis. Mais si vous venez ici, vous pouvez voir que la finition initiale est déjà faite dans cette zone-là. Ici, vous voyez les ouvriers qui s'occupent de la finition d'un escalier. Et ensuite, ils vont poser du carrelage ici, notamment sur les paliers et les escaliers. Le carrelage a donc déjà été livré afin de ne pas entraver ce travail. Attention les gars! En outre, les travaux de finition sont en cours dans le bâtiment administratif et technique. Le matériel est soigneusement sélectionné, tout est discuté et fait avec la participation du personnel. Tout le monde participe à la discussion des finitions pour que chacun soit heureux de travailler dans ses locaux. Ici, vous voyez les palettes avec du grès cérame. Et plus loin se trouvent les détails de l'unité de mesure de l'eau. Je voudrais ajouter à tout cela que nous aimerions bien obtenir un permis pour faire monter un drone afin de réaliser des images d'en haut d'ici la semaine prochaine. Car cela n'a pas été fait depuis longtemps. Je pense que vous verrez la différence entre comment c'était auparavant et ce que nous avons à présent. Je n'ai raconté qu'une petite partie de ce qui s'est passé. C'est vrai, beaucoup plus de travail est effectué et notre personnel passe constamment d'un secteur à un autre et participe à la résolution de divers problèmes. Par exemple, en ce moment, nous demandons un permis d'admission pour les travaux dans le pont thermique. Nous nous occupons également de l'enregistrement de l'adresse postale. Cela est nécessaire afin d'obtenir un plan cadastral ou plan technique et des conclusions sur l'achèvement de la construction. Si nous avons déjà une adresse postale, il sera possible de changer l'adresse juridique et de l'enregistrer ici. C'est un travail d'organisation. Cependant, pour obtenir une conclusion d'achèvement de la construction, nous devons préparer 36 dossiers, y compris une liste de tous les sous-traitants, entrepreneurs, tous ceux qui ont travaillé et ont été impliqués. Autrement dit, c'est beaucoup de détails et c'est un énorme volume de travail. Je pense que peu de gens peuvent même imaginer ce que c'est. Tous les documents, même ceux sur lesquels il y avait des remarques et commentaires des autorités de contrôle auxquels nous avons bien réagi, tout cela devrait être recueilli dans ces dossiers. 36 dossiers avec des centaines de fichiers dans chacun d'eux, vous pouvez imaginer? Et tout ce travail doit être fait. Qui fait ça? Ce sont nos employés qui le font. C'est la seule variante que nous avons. À noter que nous venons d'apporter des modifications à la conception architecturale et urbaine et que nous avons également besoin de faire quelques autres changements parce que nous améliorons le projet et certaines choses changent. Par exemple, selon le projet, les tuyaux avec de l'eau doivent être peints en vert et nous ne sommes pas satisfaits de cette solution. Il faut du gris. Nous avons étudié la norme qui permet de peindre le tuyau dans d'autres couleurs à l'intérieur du bâtiment, mais il est nécessaire de marquer par une couleur spécifique le type de substance qui transite dans ces tuyaux. Cela signifie que nous devrons faire des marquages dans les lieux de connexion et tous les 10 mètres tout au long des tuyaux. Mais on va le faire, on va refaire le projet. C'est une petite partie de tout ce qui se passe. Tout cela va être refait. Apporter des modifications et des améliorations et les soumettre pour approbation, c'est un grand travail qui est effectué en plus des travaux de construction et de contrôle. Surtout que nous le faisons beaucoup par nous-mêmes. Cependant, il y a aussi des développements que nous faisons et d'autres travaux aussi. Par conséquent, la quantité de travail augmente de jour en jour et en plus de tout, nous sommes pressés. On nous dit d'accélérer car il reste un peu pour terminer l'aménagement du terrain, sinon ce ne sera pas beau.
Mais moi je dis, j'espère que vous n'allez pas venir ici tous les jours pour contrôler, car sinon nous n'aurons pas de temps pour travailler. Cela signifie que vous pouvez accélérer les travaux ? Je réponds oui, si les ouvriers viennent travailler pendant la nuit. Je n'ai pas d'autre option. Nous pouvons certainement augmenter le rythme, mais pour cela nous devrons attirer beaucoup plus d'ouvriers qui doivent être payés, mais je n'ai pas d'argent superflu pour ça. D'autre part, vous voyez que l'intérieur du bâtiment est relativement propre. Beaucoup sont surpris que le site de construction soit assez propre. Nous allons travailler sans laisser de saleté partout. Nous essayons donc de soutenir une telle culture de travail et d'encourager tous ceux qui travaillent sur le site d'en faire autant. J'espère que je ne vous ai pas ennuyé en parlant de tout ce qui se passe ici. Vous pouvez voir que les travaux sont en cours sous le plafond. Oui, en passant pour information, sous le plafond, des hirondelles ont sorti leur progéniture en toute sécurité et ont quitté le nid. Mais avant cela, elles nous saluaient tous les matins et nous avertissaient toujours quand quelqu'un d'inconnu entrait ici. Dans ce cas, elles faisaient du bruit parce qu'elles nous connaissaient déjà très bien. Et si elles voyaient des étrangers, elles commençaient à faire du bruit en remplissant les fonctions des gardiens. Mais elles sont parties. Nous avons dû attendre que cette période se termine. Ces hirondelles nous ont un peu dérangées, mais tout était vivant et agréable. Nous avons un chat Vaska qui vient la nuit et qui n'aime pas du tout ce désordre qui règne ici. Il grogne constamment car le matériel ne lui permet pas de se rendre au point de contrôle des gardes, bien qu'il y ait toujours de petits gâteaux pour lui. Merci à tous pour votre attention, prenez soin de vous. Si vous êtes intéressé, suivez l'évolution de notre projet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter et à montrer. Je ne vous invite pas dans le laboratoire, car des tests sont en cours là-bas. Nous n'allons pas les empêcher de travailler. Je vous souhaite une très bonne journée, de la bonne humeur et surtout n'espérez que vous-même. À bientôt. Et à la fin du tournage de cette vidéo, nous avons trouvé un document très intéressant au siège de la construction. Ici, nous avons le plan d'action sur lequel les repères montrent quels travaux ont déjà été réalisés sur des réseaux de viabilisation extérieure et ceux qui restent à effectuer. Ce qui est colorié a déjà été fait, ce qui n'est pas encore colorié ici et là reste à faire. Je pense même à l'œil nu, il est clair que la plupart des tâches assignées aux constructeurs ont été pleinement réalisées.